Hello, bonjour. On va parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler en fait du couronnement du prince, du roi Charles. Lui, on en parle encore. Et apparemment, ils auraient dû donner la date de leur. Ils auraient dû donner leur réponse par rapport à l'invitation qui, soi-disant, leur est envoyée. Donc, vous savez, couronnement, c'est le 6 mai prochain. Et il y a une date limite où il faut répondre aux invitations pour être compté parmi les personnes présentes et pour que les arrangements puissent être faits dans ce sens-là. Il était dit que vous aviez 28 jours pour répondre à l'invitation qui avait été envoyée. Et ça, apparemment, c'est incluant aussi le prince Harry et Meghan Markle. Et la date était hier. Et d'après eux, le prince Harry et Meghan n'ont pas donné de réponse si oui ou non ils revenaient. Et les journaux en font toute une histoire en disant que oui, c'est un manque de respect de la part de Harry et Meghan, qu'ils auraient dû dire s'ils venaient ou pas, que ce n'est pas normal. Toujours des idioties de ce genre. Sachant que il nous avait dit il y a quelques semaines que, avec ou sans réponse, la famille royale s'était arrangée à faire comme si le prince Harry et Meghan Markle venaient en leur réservant leur place. Donc, je vois pas où est le problème. Donc, je crois que ces gens-là veulent créer du drama où il n'y en a pas. Si le prince Charles s'en est pas plaint, pourquoi la presse devrait s'en plaindre, à moins que ce soit les sources proches du palais royal qui en parlent. Mais dans ce cas, ben, c'est leur problème. Si le prince Charles a un problème avec le fait que Harry et Meghan n'aient pas donné leur... Ben, il n'a qu'à les appeler, mais on sait très bien qu'il évite... Harry. Il faut aussi dire que Harry et Meghan ne donnent pas de décision parce qu'ils savent qu'aussitôt qu'ils diront qu'ils viendront, ben, il y aura toute une organisation autour de ça. Les journalistes vont essayer de faire encore plus d'argent. Si avant ils disaient est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir, maintenant ça sera quand ils seront là, quand ils vont faire, ils seront là, où ils vont vivre, où ils vont partir. C'est du n'importe quoi. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.